6 ans après les faits, qu'est-ce que la partie civile finalement, enfin, qu'est-ce que les parties civiles pardon, attendent de ce procès d'assises? Elles attendent ce qu'attendent toutes parties civiles d'un procès d'assises, c'est-à-dire à la fois la vérité et à la fois que justice soit faite, et elles l'attendent depuis longtemps. Ce qu'on note, nous, aujourd'hui, c'est que nous avons un juge d'instruction, puis nous avons 3 magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia qui ont estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments dans ce dossier à charge pour renvoyer M. Agouti devant une cour d'assises. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à charge, qui ont été consacrés par les 2 décisions de mise en accusation dans la cour d'assises. Il y a le mobile, il y a la position de M. Agouti pendant le crime. Il y a des éléments également scientifiques, techniques, il y a des éléments humains, des témoignages, des dépositions. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que, selon nous, l'accusation peut être soutenue de manière solide et efficace.